Bonjour et bonsoir, chers amis. Bienvenue sur la chaîne Les Grands Secrets de la Mysticisme et de la Spiritualité. Pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications et de aimer. Chers amis, frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler et expliquer la mythologie d'Aïda Guido, la femme du dieu serpent. Dambala, le dieu serpent, aussi éclair, lui et sa femme Aïda Guido, sont souvent représentés comme des serpents qui sont plongés dans les vides et dans un arc-en-ciel. Il est le porteur de la pluie. C'est une nécessité pour des bonnes récoltes. Les gens possèdent par lui d'Adam les langues. Ses traînes sur le sol et gravissent des arbres ou des poutres détruits qui tombent. Comme un boa. Il est connu pour souffler parce qu'il n'a pas de discours. Aïda la pensée. Aïda est contrepartie féminine de Dambala. Elle est la figure maternelle. Elle est la pensée. Ensemble, ils sont les forces unitaire de la socialité humaine. Son symbole est aussi un serpent. Elle est très soumise et très délicate. Sa co-épouse est Ezinu. On dit que quiconque pourra saisir le diadème d'Aïda sera assurée de la richesse. Elle est aussi connue sous le nom d'Aïda Odi. Son travail consiste à soutenir la terre. Son jeu spécial est le jeudi. Et son arbre préféré est le bougainvillier. Le blanc est sa couleur. Il est en charge du métal blanc argent et doit être nourri avec la nourriture et des boissons blanches. Il accorde des richesses et permet de découvrir des trésors. Dambala soutient le monde et l'empêche de se désintégrer. Dambala et son époux représentent la socialité humaine. Aïda Guido elle-même, elle correspond de la religion catholique Notre-Dame de l'Immaculée des Conceptions. Dans la religion vaudou, il y en a beaucoup de lois. Et il y en a plus que 400 lois. Chers frères et sœurs, dans la chaîne des Grands Secrets de la Mysticisme et des Spiritualités, j'ai beaucoup de mythologie à vous présenter et à raconter. Surtout les lois. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci.